m'appelle Evelyne, c'est mon prénom, Leclerc, c'est mon nom. J'ai animé sur TF1 pendant 10 ans Tournée Manège. Tournée Manège, c'est 10 ans de ma vie, et je dirais même plus parce que ça s'est arrêté il y a 20 ans. Et on m'en parle tous les jours, donc je continue à travailler grâce à Tournée Manège. En 1990, j'ai fait Tournée Manège avec Evelyne Leclerc et toute sa bande. On a fait un super score, 90 points, et nous sommes partis au Seychelles avec François. Et vous avez gagné 2000 francs. Je suis ravie de vous rencontrer, ça fait toujours plaisir. Je passe ma vie à continuer à présenter des spectacles en tout genre, de variété, d'animer des foires, des grandes surfaces. Je joue au théâtre depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Je suis actuellement en tournée avec Maurice Rich dans une pièce qui s'appelle « Ma colocataire est une garce ». C'est mon premier bouquin, j'en ai fait 4. C'est une femme authentique, voilà. Comme il n'y en a plus maintenant, les animateurs, ils se prennent vraiment pour des... Voilà. Et qu'elle, non. C'était une femme formidable. Ça nous rappelle les années 80, quoi. Ça nous fait remonter des années en arrière, les meilleurs souvenirs, les plus belles années. Et là, vraiment, c'est magique. C'est une journée exceptionnelle, une journée à marquer d'une pierre blanche, on va dire. On ne fait pas ce métier comme je l'ai fait depuis plus de 40 ans, sans aimer les gens, sans s'intéresser à eux. Moi, quand je parle à Alain, quand je parle aux gens, je m'intéresse, je sais ce qu'ils me disent, je les écoute, on s'amuse ensemble, on est là pour passer un bon moment. Et j'ai envie que quand ils rentrent chez eux, ils se disent « bon ben tiens, c'était sympa » et qu'ils me connaissent mieux aussi. Parce que parfois, on se fait une idée des gens à travers le petit écran et puis, ou à travers une certaine presse spécialisée et qui n'est pas toujours la bonne. Donc moi, j'aime bien aussi remettre les pendules à l'heure et expliquer aux gens comment ça se passe, quel est un petit peu l'envers du décor.